Vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette autre édition de votre magazine Carrière. Après une pause amplement méritée, nous vous retrouvons en ce début d'année 2021 que nous espérons meilleur que l'année qui s'achève. Mais n'oubliez pas qu'il faut continuer à respecter les gestes barrières car la pandémie est toujours parmi nous. Et nous allons continuer notre ambition permanente de vous outiller en développant vos compétences respectives, mais surtout vous inspirer à travers des parcours extraordinaires et vous montrer comment les jeunes Camerounais entreprennent. Mesdames et messieurs, votre magazine commence tout de suite. Voici d'abord le sommaire que signe pour nous Georges Lionel Messi. Au sommaire, ce soir, une télévision thématique dont les programmes sont axés sur l'éducation en initiative. Découvrez le projet School TV monté par le maire de Njombe Penja, Paul-Éric Kingé. En Success Story, Yann Woberta se confie et nous parle de son parcours atypique. Cette ancienne inspectrice principale des impôts a accepté de nous raconter son combat dans l'encadrement des femmes tant rurales qu'urbaines et sa lutte pour l'autonomisation de la jeune fille. Yann Woberta, un parcours atypique en Success Story. Et puis en coaching, découvrez comment éviter de tomber dans le piège des fausses tombolas. C'était le sommaire, installez-vous, nous commençons tout de suite. Comme je vous le disais en introduction, nous avons encore un contexte marqué jusqu'à présent par la pandémie à coronavirus. Et l'on a pu voir au cours des derniers mois notamment une floraison d'initiatives visant à nous permettre de vivre avec la pandémie, de continuer nos activités ou encore de régler les problèmes que nous posait cette crise sanitaire. S'agissant précisément de l'éducation, certaines personnes ont pensé à la formation à distance, à la formation en contexte de pandémie et ont donc mené différentes initiatives dont l'une d'entre elles a retenu l'attention de notre équipe de rédaction. Voyons ce projet de School TV que nous découvrons maintenant dans la rubrique Initiative de cette édition. Bonjour et bienvenue à School TV Africa. Je suis très heureux de vous recevoir dans notre espace. Nous sommes normalement ici au bureau du coordonnateur des enseignements. Il est le docteur Bilon. C'est lui qui coordonne tout ce qui concerne les enseignements. C'est lui qui recrute les enseignants. C'est lui qui les suit. Il est enseignant à l'école normale supérieure du Cameroun. Il est enseignant des enseignants. Il me plaît de vous présenter la salle technique. Lorsqu'on a fini de faire des cours au niveau des studios,
Nous avons une panoplie de monteurs qui s'occupent, n'est-ce pas, du montage des cours. Et il faut dire que School TV Africa est sur satellite. Nous sommes sur deux satellites. Voici le studio de School TV Africa. Nous sommes hyper équipés. On a des caméras, on a des lumières, on a tout ce qu'il faut. Je voudrais vous dire que dans ce studio, on a déjà tourné à peu près 3000 cours. Et notre objectif, avant la fin de l'année 2021, c'est 6000 cours. Ici, c'est le bureau de Madame la directrice générale. J'entre dans son bureau un peu par effraction. Ce roll-up est un roll-up qui n'a rien à voir avec School TV Africa. Parce que l'ancêtre de School TV Africa, c'est AAW TV. En fait, c'est le AAW TV que part School TV Africa et que partira dans quelques semaines Africa Cities TV. Africa Cities TV, c'est la toute première chaîne en Afrique des maires du continent. Ça veut dire que désormais, les maires du continent auront leur chaîne spécifique pour eux, à eux seuls. En fait, ma rébellion, ma révolte intérieure vient de ce que il y a une chaîne qui passe ses journées, n'est-ce pas, à nous monter des clips. Et derrière ces clips, ce qui m'a le plus frappé, c'est la jeunesse des enfants qui dansent derrière les chanteurs. Et je me suis dit, c'est quoi cette aliénation? Il y a même une autre chaîne qui est spécialisée à créer des incendies dans nos cuisines, à brûler les marmites. Celle-là, alors, a pour cible nos épouses, nos mamans, qui passent leur journée devant des écrans à suivre, n'est-ce pas, des rêves venant du Brésil et je ne sais pas, de partout. Et je me suis dit, il faut que j'apporte ma contribution pour que l'Afrique cesse d'être manipulée par des médias qui nous viennent d'ailleurs. L'Afrique a ses besoins et ses spécificités. L'Afrique a sa faim, sa soif. L'Afrique a soif d'ingénieurs. L'Afrique a soif de jeunes savants, de jeunes connaisseurs. L'Afrique a soif. L'Afrique a besoin d'entrepreneurs. Alors j'ai dit, il faut apporter une solution. Si vous nous apportez Trace Africa, moi je vous apporte School TV Africa. Parce que là-bas, c'est des besoins, c'est le besoin réel de l'Afrique. D'où le concept de School TV Africa, qui n'est pas une sorte d'école bis, mais qui est un socle de renforcement des connaissances, un socle de ressources intellectuelles pour nos enfants, mais aussi un argument sérieux qui permette qu'on essaye de combler au quotidien les différents vides que peuvent laisser les enseignants au niveau des établissements. Je vois la rentabilité en termes de satisfaction morale. Parce que pour moi, tant que je saurai qu'un enfant a eu son BPC, en renforçant ses capacités à travers School TV Africa, il n'y a rien de satisfaisant. Nous avons donc à l'écran... Il n'y a rien d'émouvant que ça. Ce qui m'intéresse, c'est que les enfants aient des cours. C'est que les enfants, avec la perturbation de Covid-19, ne se retrouve pas dans une situation délicate de rupture complète avec la science, avec la connaissance, avec l'apprentissage. Mais quelque chose de particulier aussi, c'est que School TV Africa a une application mobile qu'on peut télécharger sur Play Store. Mais ça, c'est pas suffisant. Je suis allé plus loin. School TV Africa est désormais sur Yabadou.
Yabadou, c'est un système qui veut que lorsque vous achetez, par exemple, le crédit de 650 francs, vous avez tous vos cours pendant un mois. Je voudrais vous dire que School TV Africa commence les cours de la maternelle jusqu'en terminale, pour l'instant. Mais alors, ce qui fait la particularité de ces programmes, c'est qu'il y a des cours pour tout petit, en dessin animé. The invitation is okay, but we don't have a captain. Je voudrais vous dire que School TV Africa, à ce jour, est à peu près à 250 millions de francs que j'ai investis. J'ai saisi les sectoriels en charge de l'éducation pour leur dire qu'il s'agit là de l'école de nos enfants. Vous ne pouvez pas être ministre de l'école et ce qui concerne l'école ne vous dit rien. C'est dans ce sens que j'ai fait une première démarche auprès de Madame la ministre des enseignements secondaires, qui a été enflammée dès les tout premiers moments quand elle a vu le projet, et puis plus rien. Le seul ministre qui a réussi à me maintenir dans l'espoir est le ministre de l'éducation de base. Moi, j'ai vu trois responsables dans ce pays qui spontanément ont adhéré à ce projet. Je pense notamment au directeur général de la CNPS, qui a dit, mais non, mais attends, tout projet qui concerne l'école des enfants, il faut y apporter un soutien. Et il a apporté sa minime contribution. Il y a le ministre René Sadi, qui est ministre de la Communication, qui n'a pas hésité, parce que selon lui, tout ce qui touche à l'école touche à l'âme du pays. Il a dit, Monsieur Kingé, tant que c'est l'école, je vous donne l'autorisation de diffuser. À côté de lui, il y a des gens qui ne sont pas des sectoriels de l'éducation qui ont décidé d'apporter leur soutien, mais j'attends toujours leur soutien. Je ne sais pas comment l'information sur ce projet est tombée dans les oreilles du chef de l'État. Vous savez quoi? La première enveloppe que j'ai reçue venant d'un haut responsable du Cameroun est celle que j'ai reçue de M. Biya. L'une des grandes innovations, là, c'est que c'est bien d'apprendre l'école des Blancs, mais nous avons dit qu'on va également mettre nos enfants à l'école de l'Afrique. Ça veut dire que les langues nationales africaines sont enseignées dans School TV Africa. Nous aurons le Swahili, nous aurons le Zulu, nous aurons le Lingala, nous avons déjà le Fefe qui est camerounais, nous y mettons également du Mendumba dans les prochaines heures, nous avons le Douala qui va également suivre dans les prochaines heures, on a déjà les cours Béti, parce qu'il faut garder les liens naturels de nos cultures. Le chinois va également être fait dans dans School TV Africa. L'italien va également être fait et même la langue allemande. School TV Africa, dans les prochaines semaines, va également ouvrir la partie interaction dans sa chaîne. Ça veut dire que les enfants auront les cours les samedis et les dimanches, mais en appelant directement les enseignants. Le seul message que j'ai, c'est que les enfants d'Afrique doivent croire en eux-mêmes. Ils ne doivent jamais penser que leur avenir viendra des autres. Nous avons laissé les autres nous envahir notre environnement. Mais ils ont envahi notre environnement avec les images polluantes. Les images qui nous enseignent à danser, les images qui nous enseignent à rire et à faire de la comédie, mais ils nous ont refusé les images pour l'école. Mes chers enfants, l'école est importante pour vous.
Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de coaching. Félicitations déjà à tous les candidats qui ont pu obtenir leur admission et qui sont appelés à faire une demande de visa dans les prochains jours. Alors, ce soir, nous prendrons donc le soin de discuter des éléments constitutifs de la demande de visa que vous aurez à effectuer. Le premier point, c'est la justification des moyens de subsistance justificatifs financiers devant pouvoir être fournis par une institution reconnue par les services consulaires français. Parce que les services consulaires français ont besoin d'être sûrs que pendant les 12 mois au minimum de votre séjour en France, que vous ne manquiez de rien. Le second élément, c'est de vous rassurer d'avoir un passeport valide dont la durée devra être minimale d'un an, 6 mois. Vous devez prendre le soin d'avoir également une pièce d'identité à jour ou pour les étrangers, un titre de séjour pour ceux qui sont installés légalement sur le territoire camerounais. À côté de ces éléments, prendre le soin de réunir tous ces justificatifs académiques depuis l'obtention du bac jusqu'à l'année de demande de visa. Pour les étudiants scolarisés durant l'année, il faudra à côté fournir un certificat de scolarité. Et pour ceux qui ne sont pas scolarisés, il sera question d'apporter le justificatif de l'activité fournie ou l'activité exercée pendant l'année. À côté de ces éléments, vous devrez apporter la preuve que vous avez un logement qui vous attend sur le territoire français. Complétez votre dossier par la suite avec une réservation de billets d'avion, mais également une assurance qui complétera votre réservation de billets d'avion. Une fois ces documents réunis, vous prendrez donc le soin d'aller sur France Visa et de remplir votre formulaire de demande de visa. Rassurez-vous d'avoir préparé un jet de tous les originaux des documents qu'on a cités et un jet également de photocopie de chacun de ces documents. Pour les candidats mineurs scolarisés, il sera nécessaire, en plus des éléments suscités, il faudrait que les parents se rassurent d'avoir obtenu une autorisation parentale pour l'enfant qui devra partir, mais également une assurance de responsabilité civile qu'ils pourront effectuer auprès d'une assurance, d'une compagnie d'assurance de leur choix. J'espère, chers tous, que vous avez écouté attentivement ce qui a été dit. Merci et surtout n'oubliez pas, osez votre avenir. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Réussir l'insertion professionnelle de la jeune fille, en faire une actrice de développement local, mais surtout l'encadrer, lui donner une éducation pour qu'elle soit une personne valable dans la société. Voilà l'objectif que se fixe notre invité de la rubrique Success Story. Madame Yen Ngoberta a lancé il y a une vingtaine d'années sa première association et aujourd'hui son réseau compte plus de 2500 femmes formées et encadrées qui ont réussi donc le pari de s'insérer dans la société. Vous aurez donc compris que c'est une trajectoire qui mérite que l'on s'y attarde, que l'on regarde les différentes étapes pour voir comment cette inspectrice principale du Trésor, à la retraite depuis quelques années, a réussi ce pari, celui de donner à la jeune fille une éducation et une place dans la société. Découvrons sa trajectoire dans cet entretien portrait que signent pour nous Georges Lionel Messi, Brice Fotso et Arnold Dahl. She's more of a mother to the children. She is able to inculcate character education in her institution as a way of making a difference in education. From the first day,
as a child, as I was growing in our family, my first day to come in touch with her, I said that, God, you have given us a wonderful mother. She's a wonderful woman. Yes. I don't know how I can really explain who she is. Because when I look at her, I look the way she acts, I look the way she receives people, I see like she has a special gift from God. With a smile and a star, she'll protect you like a child. That's a woman. À 60 ans, c'est une boule d'énergie qui ne s'arrête jamais. Que ce soit à l'école dont elle est la fondatrice, au milieu des femmes de l'association dont elle est la présidente fondatrice, ou à l'école entrepreneuriale pour jeunes femmes qu'elle a initiée, Bertha Yiberla, épouse Yenwo, est constamment en mouvement. Un travail quotidien au milieu de personnes à qui elle essaye, avec ses moyens, d'inculquer des valeurs de travail, humilité et surtout de discipline. Rencontre avec une femme qui a fait de l'encadrement de ses congénères sa priorité depuis plus de 20 ans déjà. I am a people building somebody. Nous sommes quelques jours après la rentrée scolaire. Dans une ambiance marquée par le contexte particulier qu'impose la COVID-19 à la communauté éducative, nous avons rendez-vous avec une dame qui a fait de la formation et de l'encadrement des femmes, sa vie, son combat au quotidien. C'est au sourire qu'elle nous accueille au bas de son bureau pour nous faire visiter l'Institut Mike Denny qu'elle a fondé et dirige depuis 2015 au quartier Djungolo. Wow, George, you're welcome to Mike Denny. Thank you very much. I won't shake your hand. Just thank like you. This. We're you're still respecting the barrier measures. Exactly. So we are in Mike Denny School. Can you tell us about this school? You created the school in 2015. Exactly. What took you to education? Training women. I took my retirement in 2015, and I decided, since I've been building people, I've been doing everything about education, educating women, and now it's about educating young kids. So I started this education because the young children need that character. What we're doing here is about character education, teaching those values. And when you listen to the name of the school, it's Michael and Dennis, Mike Denny. Two very people who are so important to my life. They were very honest people. I've taken those values from them and I want to inculcate to other children at an early age. Good morning. Good morning, everybody. Thank you so much. The motto of our school is respect, courage, and responsibility. Okay, thank you. God bless you. Thank you so much. Sit down. Pour la mise en avant de cette éducation de valeur, le cadre et les infrastructures dont dispose l'Institut Mike Denny ont été pensés à dessein. De la maternelle au secondaire avec cycle complet, l'Institut offre un cadre moderne et fiable dans un environnement calme, propice au développement de l'enfant. Here, every morning, there is a pledge. The children will take that engagement pledge to work together with everybody. And we teach values. In September, we teach about respect. Right now, in October, we are teaching about responsibility. And when we are teaching these values, we tell the parents. So the parents too talk about these values at home. Des valeurs chères à la native de Kumbo dans le département du Buy, région du Nord-Ouest. C'est dans cette partie du pays qu'elle a vu le jour le 22 novembre 1960. Elle y passe son enfance dans une famille où les valeurs sont omniprésentes. I grew up in Va, a neighborhood in Kumbo subdivision. I come from very God-fearing parents, and going to church was the first thing in the morning. As a child, at that time, children were obliged to take care of their junior ones. As a girl child, I had the obligation of
cooking food in the evening and serving my junior brothers and so on. As a young child at that time, we have the obligation of running errands. Sometimes you were sent very early in the morning to go and deliver a message somewhere, because at that time there was nothing like, nothing to communicate. So the only way they can send messages was to send people. As children, we had that obligation of fetching water for your mother and for your other mothers around. You could even be sent to fetch water about 5 times a day. You go, you grumble, but you don't complain. Unfortunately, my mother is of late. May her soul rest in peace, and my father. But they were wonderful parents, people with values, honesty. They had honesty, trustworthiness, happiness. My father was somebody, a great mobilizer, taking care of people. My mother was a calm and respectable woman, but a farmer. But there's something that happened. While in secondary school, I was driven away from fees. But when I went home, my mother sold 6 tins of beans. She solved my problem at that time. And since that time, I love seeing mothers who are doing everything to take care of their children, because my mother did that. And other mothers around, we are doing the same thing. I'll be proud, Babiliki girl, yeah, I, your way. I'm proud of who I am. C'est dans cette ambiance que la petite Bertha entame son parcours scolaire. À Kumbo, elle y fera tour à tour le cycle primaire à St. Teresa School et une partie du secondaire au St. Augustine College. Elle termine son cycle secondaire au CAS à Kumba, dans la région du Sud-Ouest. While in the primary school, the language we had was the vernacular, Lamso. We were schooled in Lamso. But when I went now to the secondary school, we started having people now coming from other regions of Cameroon. So right now, it was about English, speaking English, no vernacular, no Lamso. We are now about speaking English, and we started learning to speak Pidgin. At that time, academically, I was not that very, I loved all the subjects, but never wanted mathematics. And then socially in that school, we came to meet other friends. We met people, that is when I started seeing the differences. While in primary school, we had people from the same family, speaking the same language, from Saw, all of us, the same culture. But while in St. Augustine's now, I started noticing the differences. I realized that some people can lift some. We had caretakers, we had senior students taking care of junior students. Like the senior student who was taking care of me is the person who took me to Kumba, from the northwest to the southwest. When I went now to the southwest, I realized that all the girls in Southwest were reading economics. But while in my school in St. Augustine's, we were doing a domestic science. And others, and only the boys were doing manual arts and economics. So I thought economics was a subject meant only for men. That is how I started reading economics from my high school in Kaskumba, and economics helped me, University of Yaoundé, first year, I validated economics, gave me so much marks, and I was promoted to the second year. And it's the same economics that helped me in Enam, because I did administration and I did taxation. And economics right from Kumba changed my life. En 1980, nantie d'une licence en sciences juridiques à l'université de Yaoundé, la seule du pays à l'époque, Bertha Iberla, qui entre-temps s'est unie à Ivo Yenwo, qu'elle a rencontré à Kumba, entame une carrière dans la fonction publique.
D'abord, comme agent contractuel de l'État, à la faveur du recrutement de 1500 diplômés des universités lancés par le gouvernement. Elle est affectée au ministère de la Justice, où elle se sent à l'étroit au bout de quelques années. Quelque peu frustrée de voir des collègues moins instruits qu'elle jouir d'un meilleur statut social du fait de leur passage à l'ENAM, elle décide alors de reprendre ses études en passant le concours de l'école d'administration et de magistrature. Going to ENAM is not easy. You have to read. There's hard work. You must do the hard work. You must read and you must prepare. It needs a lot of preparation to go to ENAM. I remember the first time in 1980 when I went in for the competitive exam into ENAM, what they call Culture Générale. The topic was rural exodus. I could not do it because I was not prepared. It's after my service, working as a civil servant, that I saw the implication, I saw the necessity of knowing what is around you. I remember a case in the university. Students were striking. Students were not happy with their situation at the university. There was a strike against Mbela Mbappe, who was the then dean in that structure. And students bought a coffin and the Easter candle. And they took this candle, they said, Mbela Mbappe must be buried. So I was a student, first year at that time. But I didn't know what was actually happening. When somebody asked me what's happening, I didn't know. But I was a student. So from that period, I learned that you must always know what is happening around you. Avec le soutien inconditionnel de son époux, Yenwo Berta parvient à entrer à l'ENAM en 1990. Elle en sort 3 ans plus tard avec le grade d'inspecteur des impôts. Elle entame alors un parcours qui va la conduire à la tête de différents centres des impôts dans la ville de Yaoundé. Le tout à une époque charnière pour l'économie camerounaise qui cherche le moyen de se relever de la crise qui l'a durement frappée au début des années 90. It was not easy, but very interesting. When we started in taxation, 1993, we worked as women. We worked very hard because we had, at that time, the system in taxation changed drastically. Because at first, a taxpayer would come to the tax center, declare the taxes, and would go and pay into the treasury somewhere. But the tax system at that time changed, where you liquidate an individual's tax and the person pays the same spot. So I learned a lot from taxation, and especially when they started the management by objectives, looking for results. That one helped me because I learned, first of all, to manage myself. Managing myself means you have to know who you are. You have to know your strengths and your weaknesses. Managing yourself means you have to be disciplined and determined. I also learned how to manage people. C'est cet apprentissage sur le terrain qui va donner à Berta les aptitudes nécessaires pour se lancer résolument dans l'encadrement. En 23 ans comme inspectrice des impôts puis inspectrice principale, elle a appris et compris les codes de la gestion des ressources humaines. Elle a surtout appris à être un bon leader. When you're looking for results, it's not easy. You have to prepare, you have to be somebody who is disciplined. You must be somebody who has values. Because personally, I like honesty. I like to work with people who are honest, people with integrity, people who are selfless people. You see, because you will not get good results if you are not a good leader. Ayo,
Nous retrouvons Bertha Yenwo quelques jours plus tard. Nous sommes toujours au sein du campus de son école qu'elle a fondée au moment où elle prenait sa retraite en 2015. En ce début d'après-midi, les élèves ont laissé place à un groupe de femmes au milieu duquel se plaît notre hôte. Si elle danse allègrement autour de ses sœurs au rythme des chants traditionnels en Lamsa, sa langue vernaculaire, c'est que c'est avec ces dames que Yenwo Bertha a inscrit les plus belles pages de son histoire. Elles sont toutes membres de l'association Nsor Bati Women's Association, un regroupement de femmes toutes issues du département du Bouy dans la région du Nord-Ouest. Une association fondée en 1996. Ici, nul besoin d'artifice ni de make-up. Bertha se sent en famille et conserve son sourire particulier qui lui rappelle sa tendre enfance en vain. Nsor Bati Women's Association was created in 1996 with the aim of bringing the Nsor women in Yaoundé together to come out to build a solidarity and later on to develop themselves. So the motto has been unity, solidarity and development. First of all, the first 10 years, women did not really know what they were. They didn't understand the vision. And when people don't understand the vision, they are bound to bring problems. And from 2010, those who were hanging around the vision left, and those who were into the vision started building the group, and we legalized this group, and it has been working till today. Since we are a part of the women's empowerment, following the Ministry of Women's Empowerment and the Family, following their principles, we had to change the way we handled our meetings, and we came up with the Women's Economic Empowerment, which is the Sustainable Development Goal number 5. When we orientated the women on the Sustainable Development Goals number 5, empowering women economically, we divided the group into 3 committees. We have the economic committee, the social committee, and the cultural committee. Vingt-six ans après sa création, l'association qui compte à ce jour 5 démembrements à travers le pays a permis à de nombreuses femmes de se réaliser économiquement et socialement. Le tout grâce à l'encadrement de celle qui est affectueusement appelée Mom. Entendez, Maman. She is an icon of cultural affairs. She does a lot to help us promote the culture here in Yaoundé. We do that through our dances, our songs, our dressing, our food, and the Lamso, our language. So we usually organize occasions where we exhibit our food, our artifacts, that's the material culture, the baskets, the knives, all what our parents used. And we sing our songs, and those songs are not even sung anyhow. Every song carries a message to praise, to decry a bad image, and also to educate. So we sing songs that carry messages. And we promote the talk, dance, which is a very important aspect with the women folk in Sok land. She is really someone who gives, like giving all her experience to other women. Because she has helped a lot of us. She teaches us a lot how to take care of our family. I can say her knowledge she got from school, she is sharing it to all of us. Particularly like me, when I joined the Nsor Bati Association, you know, like a woman in a house, there were certain things I couldn't do, like taking care of my husband, my family, my children. I was always asking my husband to give. But when I started with Madam Yenwo, she taught us that a woman should not always ask. We need to fight and take our husbands like our supporter. When they give, you say thank you. But when they don't give, you know you can do it yourself. There are times you see some women, women that depends on their husband, they look as these bush women, but with her, she don't like to see a woman like that. Even you don't have, then first of all, she makes sure that you must be healthy. She has a branch inside her meeting. When the small, we call it kituke
That's when you take, even if it's 10,000 francs, you must go to the hospital to make sure that you are healthy. Even you buy the paracetamol, you must do it. Then secondly, if 100 francs is left over, you buy Maggi, you come and put and sell to have at least a bit of it in your house. To make sure that the women here, even at home, that they should not depend. That is the way they call me. They say, just say mom. Well, at first, but I accept because when they call me mom, I'm very closer to them. I become very close to them. If they don't, when they say that, at least I have to see as a mother, to see how I can lift them. And that is what I've been doing, lifting women. I am a person building somebody. So I need to, I had to really take care of these women to let them understand why should they leave their homes and be here from 2 p.m. to 6 p.m. You must be here for something. And when we share the experiences, like today, I was talking about self-esteem. Talking about self-esteem to them because sometimes they feel very low. There are many things that we let women to have, the low self-esteem. So we have to bring their morals up, train them. They should learn how to manage their homes first, manage themselves first, manage their homes, and manage their activities. You know, women have so many caps. They are farmers, those who are farmers here in Yaoundé. They are businesswomen, they are teachers, they are nurses here, they are Bayam Selam, they are all here in this group. So that is why we have divided the economic committee into 10 self-help groups. So we do what they call crowdfunding to support each other. That is the Njangi. Être indépendante, ne pas toujours attendre de son époux, tels sont les enseignements que prodigue au quotidien Yann Roberta aux 2500 femmes qui font partie de son association et de ses démembrements. De Kumbo à Yaoundé, ces dernières sont à la tête de nombreux projets qui leur permettent de s'affirmer au quotidien dans une société où la femme a plus que jamais sa place dans la gestion des affaires. Sobati Women has done a great job. We started Sobati Women in 1996, June 1996, and the first project that we initiated was building the community hall, the Nganso Community Hall, with the efforts of all the Sobati women. And after that, we initiated the Boy Disabled Persons Association. We started, the Sobati women started taking care of the disabled people, the persons living with disability in the village. And they contributed 360 tablets of washing soap. That was the first thing they gave to them. And that year, 2005, we launched the Boy Disabled Persons Association, and in Sobati Women, we started taking care of the persons living with disability in Kumbo. After the taking care of persons living with disability, we have had materials, products, equipment, and so on from the Chinese company and from the Fondation Chantal Biya to the persons living with disability, to all the disabled people in the village. We have also trained school dropouts, boys and girls who are school dropouts. We trained them in 2014 on ICTs. Sobati women, we have carried out cervical cancer screenings twice, one in the village and one in Kumbo. Nemo, 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 mama. Precious gift, I love you, mama. Si elle a commencé avec l'association des femmes, aujourd'hui, Yann Roberta compte 7 associations et groupements d'intérêt sous sa férule. Des groupes qui fonctionnent en réseautage pour une meilleure coordination de leurs activités et une entraide plus effective. Le réseau Tabouane. In Tabouane Support Network, we have 3 cooperatives. And these cooperatives are the Bongaba Bayam Selam Women's Cooperative, we have the Bongti Cooperative, and we have the Safip cooperative. So with these cooperatives, people have been able to carry out activities that can change their lives. We also have Girls for Change. That is an association of young girls
that in every October you find them. The young girls from the Yaoundé, they go back home and oriented other young girls for the into the study, promoting the study of sciences, STEM subjects. And when you look at this Tab One support network, the groups have been networking, supporting each other while waiting for funding, that when if we can have any funding for this association. If I don't worry, worry, she not dey sleep. Oh, every day, mama pray for me. Insatiable, un peu comme s'il lui manquait une pièce dans le gigantesque puzzle de son parcours, Yenwo n'a pas hésité à s'inscrire à la Maxwell Academy pour une formation en coaching et développement personnel. Un diplôme qu'elle met à profit dans l'académie entrepreneuriale qu'elle a créée pour les jeunes filles. Une académie qui tient ses sessions de formation de façon mensuelle. I'm a John Maxwell leadership coach in training, and I have to acquire the mentorship training so that I want to impact and to build these young girls. I'm a people building person, so I need to see the young girls so that they should not have the same faith I had. Sweet mother, I never forget you for the summer way you suffer for me. Multitâche, infatigable, Yen Wuberta est aujourd'hui la présidente de la branche camerounaise de l'Organisation africaine de leadership féminin AOULO. Elle qui ne se lasse d'organiser des activités au quotidien, la dernière en date, le 14 novembre dernier, avec la première journée camerounaise de l'entrepreneuriat féminin, un désir constant d'impacter positivement la vie de ses congénères. Question de leur laisser un témoignage digne de cette trajectoire qui l'a menée de Koumbo à l'accomplissement personnel, sans jamais léser son foyer ou sa vie de famille. My husband has always supported me. I knew my husband when I was in high school. So my husband has educated me. He has been my pillar. Going to school was his ambition. And I think I want to thank all the men who have supported women in this way. From the challenges that I've had in doing this, I have grown personally. I've learned so much from working with people. I've learned, especially starting from my home, I have learned that to live with people, you should be someone who has peace. You should have peace in you. When you have peace in you, you promote peace. And to do all of this, you need to be someone who is courageous, someone who is disciplined. I love those values. So life is not what you get or what you have that matters. It is what you do with what you get that matters. Nous sommes toujours avec notre invité en Success Story de cette édition de Carrière, Yenwo Berta, et Human Builder comme elle se définit elle-même, avec elle nous allons conclure dans cet entretien. Yenwo Berta, if you had to give an advice to the youth, what would it be? My advice to the youth, to tell the youth first to have, especially the girls, self-confidence. And to have that confidence, self-confidence, you must know who you are. You must know what you stand for. You must be ready to work hard. Self-preparedness, prepare yourself. You must be disciplined and you must have your self-talk. You must know what you say to yourself every day. To motivate yourself, you must have your self-talk. So I would like to advise the youths to always look around their environment and you will always get things that can help you to succeed. Maybe you can discover problems that you need to solve, and that one can help you being an entrepreneur, creating something for yourself. And the youths, from what we are saying today, they are the leaders of tomorrow. You must be able to lead yourself first. If you cannot lead yourself, you will not be able
to lead others since they are the leaders. Respect is very important. And you must have that responsibility. Take the responsibility means taking ownership of what you have. And you must be courageous to take certain steps that will help you in life. We talk about being determined, being disciplined, and all the values that we learn. Like in Mike Denny, we teach values. It's all about values. And life is about people, taking care of people, thinking of people. And with that, you'll always succeed. Merci beaucoup pour ces conseils pratiques qui vont certainement aider la jeunesse dans son processus de développement. Merci beaucoup, Yann Roberta, de nous avoir accordé cet entretien. On continue à respecter les mesures barrières liées à la pandémie de la coronavirus, de la COVID-19 qui continue à frapper le monde. Merci à vous. Thank you, George, and thanks for the team. Le phénomène s'observe beaucoup plus en période de fête comme celle que nous venons de passer. Mais même en temps ordinaire, vous pouvez vous rendre compte que vous êtes le sujet d'attraction, mais en fait de convoitise de nombreuses entreprises, de votre supermarché ou autres marques promotionnelles qui visent à vous donner une récompense, un prix, parce que vous êtes un client qui, dit-on, mérite d'être récompensé pour sa fidélité. Je vous parle donc là des tombolas et autres jeux concours qui sont lancés. Mais cela est-il toujours vrai? Comment éviter les pièges? Nous avons posé la question à Françoise Moukoudi. Voici ses réponses sous forme de conseils et astuces. C'est dans la rubrique coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux et de tombola. Alors, c'est quoi un jeu? Vous avez tous déjà eu à recevoir un message qui vous dit « Faites des transactions et recevez le montant de vos achats en remboursement. » Eh oui, c'est ça un jeu. Les jeux, les tombolas, sont des mécanismes qui sont mis en place par les entreprises pour pouvoir offrir à leurs clients des cadeaux à l'issue, par exemple, des transactions, des achats ou encore des appels. Oui, nous pouvons vous demander d'acheter des forfaits. Et à l'issue de ces forfaits, nous vous remboursons ou nous vous offrons un cadeau. Globalement, c'est ça une tombola. Comment est organisé le monde des jeux et des tombolas? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque entreprise, chaque annonceur, avant de lancer une tombola, doit fournir aux autorités habilitées une documentation. Une documentation qui porte sur les participants au jeu, quelles sont les personnes qui doivent y participer. Ah oui, parce que pour participer à un jeu, une tombola, par exemple, il ne faut pas être mineur, il faut être majeur. En plus des participants, l'entreprise doit décrire quels sont les lots qu'elle compte offrir de façon exhaustive. Et plus important encore, l'entreprise doit définir quel est le mécanisme, quel est le système qu'elle met derrière pour pouvoir démarquer un gagnant d'un autre. Comment on sait que X a gagné et que ce n'est pas plutôt Y? Eh bien, tous ces éléments doivent être fournis aux autorités qui les valident et qui donnent une autorisation à l'entreprise de lancer son jeu. Alors, une fois que le jeu est lancé, qu'est-ce qu'on peut bien gagner? Eh bien, il y a une panoplie de cadeaux. Ils peuvent être en nature, les lots peuvent être en nature, comme ils peuvent être en numéraire. Prenons par exemple le cas chez Orange Cameroun. Avec Orange Money, vous avez la possibilité de vous faire rembourser 100% de vos achats effectués dans un supermarché si vous les payez par Orange Money. Là, par exemple, c'est un lot en numéraire. Alors, s'il faut revenir à l'idée de cadeau, vous savez, les entreprises ont toutes de bonnes intentions. Mais malheureusement, il y a des personnes, on peut dire, mal intentionnées qui arrivent à détourner les messages, qui arrivent à détourner le principe des tombolas pour arnaquer des clients. Et là, on parle de cadeau empoisonné. Qu'est-ce qu'un cadeau empoisonné? Eh bien, un cadeau empoisonné, c'est un leurre. Un cadeau empoisonné, c'est un cadeau qui vous est offert sans réellement être véritable. S'il faille donner quelques conseils qui nous permettraient de reconnaître une vraie tombola d'une fausse ou alors un vrai lot d'un faux lot, alors ce que je pourrais dire, c'est que déjà, lorsque les entreprises communiquent sur les tombolas, elles le font toujours avec leur nom.
Une entreprise ne va pas vous envoyer un message promotionnel avec un numéro privé, non. Quand c'est le cas d'Orange Cameroun, vous recevez un message Orange qui vous fait part de la tombola et des conditions pour pouvoir être participant et pour pouvoir gagner. La tombola équivaut à un lot, à un cadeau. Mais un cadeau, il ne se paye pas. Alors, si quelqu'un vous appelle et il vous dit « Vous avez gagné un cadeau, vous devez m'envoyer 10 000 francs pour débloquer votre cadeau. » Ah non. Une entreprise qui vous offre un lot à l'issue d'une tombola ne vous demandera jamais de mener des instructions pendant qu'elle vous appelle. Elle vous demandera soit de passer à son agence ou alors elle viendra à vous pour vous remettre votre lot. Mais par contre, si vous avez des doutes à l'issue d'un appel, à l'issue d'un SMS, eh bien, je vous propose d'appeler le service client de l'entreprise par son numéro court ou les numéros communiqués. Ainsi, vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires sur la véracité de la tombola et des jeux. Alors, j'espère vous avoir apporté les outils, les informations et les conseils nécessaires pour pouvoir faire la différence entre une vraie tombola, d'une fausse tombola, entre un vrai lot, d'un faux lot ou encore entre un cadeau bien doré et bien emballé et un cadeau empoisonné. Voilà, nous sommes parvenus au terme de cette autre édition de votre magazine Carrière. Mesdames et messieurs, c'était la 106e livraison délivrée à partir de la poste centrale ici à Yaoundé qui nous a servi de décor. Émission préparée par Georges Donnel Messi, réalisée par Alain Kwam. Je vous donne rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour une autre édition qui vise à vous inspirer travail, courage et persévérance tout en célébrant l'effort des jeunes Camerounais qui entreprennent et en saluant la trajectoire de ceux qui réussissent. Bonsoir. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Après une pause certainement méritée, nous espérons que vous avez passé de joyeuses fêtes. Le magazine Carrière revient plus que d'habitude avec l'intention de vous motiver. Non, c'est Léo. Si vous êtes inspecteur du trésor dans votre carrière professionnelle, beaucoup de personnes vous voient investir dans un domaine lucratif. Le contraire a été fait par notre invité de la rubrique Success Story. Cette dame qui a choisi au terme de sa carrière de rentrer dans le domaine de l'association, mais effectivement, Léo, tu as raison, Carrière, c'était la 106e livraison qui vient d'être déroulée. Nous sommes ici à la poste centrale de Yaoundé, espace qui nous a servi de décor pour cette autre édition. Je regarde toute caméra parce que j'ai les yeux à la même hauteur. Je vous dis merci.